J'ai toujours voulu placer cette blague. Oui, je vous emmène à la pêche. Oui, c'est marqué dans le titre. Faut juste que je sache ce que je vais mettre aujourd'hui. Il faut un petit short de pêcheur, tranquille. Ce genre de truc, c'est bien. Ça fera parfaitement l'affaire. Le pêcheur a toujours un Marcel sur lui. Fera parfaitement l'affaire. Oui, parce que je vois des gens dans les commentaires, des fois, ils disent oui, putaclic, machin, nana. Mais quel putaclic? Y a pas de putaclic. Moi, quand je dis un truc, eh ben, on le fait, mon vieux. Aujourd'hui, on va à la pêche. On va aller à la pêche. Je vous y emmène. C'est pas des conneries, bon sang. Alors? Non, parce que des fois, c'est vrai que je vois dans les commentaires, ouais, Jolinte, c'est quoi encore ce titre putaclic qui a rien à voir avec la vidéo? Faut savoir que sur la chaîne, à chaque fois, le titre, il a toujours un rapport avec la vidéo. Aussi peu soit-il, il a toujours un rapport. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va à la pêche. Et quand je dis on va à la pêche, c'est pas un titre putaclic. On va vraiment à la pêche. Non, parce que je vous explique. Il n'y a pas de titre putaclic sur la chaîne. Non, il n'y en a pas un seul. Tous les titres, et je dis bien absolument tous les titres qu'il y a sur la chaîne, ont un rapport avec la vidéo. Eh ouais. Allez-y, par exemple, faites le test. Allez, merde, je délire. J'ai craché sur l'objectif. Oh putain. Allez-y, par exemple, faites le test sur la chaîne. Allez-y. Prenez n'importe quel titre sur la chaîne, n'importe quel titre, et trouvez-moi-en un qui n'a strictement aucun rapport avec la vidéo. Eh ouais, il n'y en a pas. Hein, regardez-le celui-là avant d'aller à la pêche. Petit gâteau, maison bien sûr. Toujours, c'est ce qu'il y a de meilleur. On va le ranger, parce qu'une fois que j'ai le nez là-dedans, mon vieux, c'est foutu. Hein. C'est vrai que je vous ai jamais dit ça, que j'allais à la pêche de temps en temps. Eh ouais, vous le saviez pas? Ah mais je vous dis pas tout, et je recèle encore bien des mystères. Eh ouais, je vais faire mon café, on y va. Et là, j'entends déjà les sceptiques. Je les entends d'ici, vous les entendez avec moi? Regardez, écoutez-les. Vous savez, c'est ceux qui disent « Mais allez, Jolinte, arrête de nous la faire à l'envers. Arrête ton putaclic et dis-nous à quel jeu tu vas jouer. » Pro Fishing Simulator VR version bêta. Sur Oculus Rift. Attendez, partez pas! Je vous présente Marjorie. Regardez. Ne mérite-t-elle pas un minimum d'attention? Regardez son regard tendre et langoureux. Ne mérite-t-elle pas un like? Un like égale une Marjorie en liberté. Hein, ma belle? Hein? Alors, qui t'en pense un peu, là? Hein? Attendez, ne partez pas. Vous allez voir que ce jeu regorge de réalisme. On va faire un tour de bateau avec Marjorie. Tiens, Marjorie, vas-y, accroche-toi, mets ta ceinture en voiture. On y va, c'est parti. Accroche-toi, mon vieux. Putain, comment que ça la colle au siège, regardez ça. C'est délire. Bouge pas, accroche. Viens ici, monte sur mes genoux. Voilà, voilà, reste ici, c'est bien. Regardez ça, je pourrais passer ma journée à conduire le bateau, comment que c'est trop bien, il y a la marche arrière et tout. C'est délire. Ce qu'elle aime, Marjorie, c'est bronzer un petit peu sur le pont. Hein? Regardez ça, des fois j'y fais des petites blagues comme ça. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Viens ici, Marjorie. Viens ici, Marjorie. Marjorie. Merde. Vous inquiétez pas, on va en trouver une autre. On va se mettre par là. Oh oui, par là, ça mord. Par là, ça mord tout le temps, mon vieux. Tiens, regardez, on va monter sur le pont du bateau. Donne-moi ma canne à pêche là-dedans. Ah, la pêche, mon vieux, c'est un travail de... C'est un travail de patience. Putain, mon vieux, il est pas bien précis, le bordel. Faut taquiner le goujon, comme on dit par chez moi. Regardez, je vais vous montrer à quel point c'est con, un poisson, mon vieux. Vous le voyez, le bouchon, là, hein? Regardez, faut taquiner le goujon. C'est comme ça que les vrais pêcheurs, ils disent, mon vieux. Regardez, faut toujours voir sur les bords si des fois, il n'y a pas des silures, des brochets, des trucs comme ça. Attendez, bougez pas, je vais relancer ma ligne. Voilà, voilà, comme ça. Faut taquiner comme ça. Putain, ça mord pas, c'est pas possible ça, mon vieux. Des fois, faut voir un petit peu sur les bords, il y a des remous. Non, 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 attendez. Je vais relancer ma ligne. Ça va être un truc de fou. Les vrais pêcheurs, ils font comme ça. Un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant. Putain, mon vieux, il est parti à l'ouest le bordel. Laisse tomber. Ah, c'est de la patience la pêche. Regardez ça, je sens que ça va mordre par là. Il y a toujours du gros dans ces coins-là. 13 mètres 9, 14. Ouh, ça a mordu là. Ça a mordu là, non? Je le sens dans ma canne là, non? On va refaire un lancer. On va refaire un petit lancer tranquillement. Vas-y. Ah, bah voilà, là il est bien parti, tu vois. Regardez bien comment que ça va mordre là. Ça va mordre, ça va mordre. T'as bon sang, tu vas mordre, oui? Ça fait 3 heures que je suis là, mon vieux. Y'a pas un seul goujon. Ah, je la regrette, ma petite Marjorie, vous pouvez pas savoir. Ça mord pas par là, vas-y, je me casse de là, mon vieux, ça mord pas. Voilà, on va partir en bateau un petit peu. Voilà, oh là là, comment que je pourrais passer ma journée à conduire le bateau? Comment que c'est trop bien, franchement. Est-ce qu'il passe, le bateau, sous le ponton? Attention, on baisse les têtes! Oui, ça passe! Oh, putain! Attendez, j'ai vu un remous, donne-moi ma canne à pêche, mon vieux. J'ai vu un remous quelque part par là. Ça, c'est un brochet, ça, j'ai le nez pour ça. Regardez, ça mord! Ça mord! Vas-y! Je l'ai, je l'ai! Vas-y, je l'ai! Je le tiens! Oui! Oui! Regardez ça!
C'est impeccable, putain mon vieux, j'en perds mon chapeau de pêcheur, c'est un truc de fou. Hein? Alors, on va rentrer à la maison tous les deux, mon vieux, tu vas voir. Alors, comment qu'on va l'appeler? On va l'appeler Marjorie, mon vieux. Hein? Alors, tu sais qu'elle était sage, Marjorie, hein? T'as intérêt d'être aussi sage, hein? Voilà, on va la mettre là, et on va rentrer à la maison. Putain, elle est où la maison? Accroche-toi, Marjorie! J'ai paumé la baraque. Bah alors là, je suis pas dans la merde. C'est là-bas, je l'ai vu. Accroche-toi, ma belle, t'inquiète pas, on est presque arrivé. Attendez, bougez pas, j'ai pas envie de la perdre, je vais la faire monter sur mes genoux. On va se garer. Voilà, c'est parfait. Allez, viens ici. Voilà. On rentre à la maison. Regardez, j'ai ma prise! Hein? Alors, ah qu'est-ce que c'est bon ça, j'en suis fier mon vieux. Voilà, regardez comment que c'est bien chez moi. On va regarder la télé un petit peu avec Marjorie mon vieux. Voilà ma belle, regarde ça. Hein? Elle est pas mignonne? Tu veux que je te dise une petite histoire? Voilà ma belle, regarde ça. Hein? Alors, regardez ça. Pendant que moi je bois le café tranquillement, hop, ma petite Marjorie elle est à côté. Attends ça, donne-moi ça, ça c'est mon trophée ça. Marjorie! Attends, bougez pas, je vais la chercher. Viens ici. C'est le trophée qui t'intrigue comme ça? Ah, je t'ai jamais raconté l'histoire de ce trophée. Un beau trophée. Je m'en souviens. 1943, enduro. Au lac de Pouzio, Roger, 1m57, 32 livres. Une belle bête. Tu sais qu'on a coulé des jours heureux tous les deux. Ah oui, je m'en souviens encore. Et puis un jour, j'étais sorti, je l'avais laissé à la maison. Il barbotait dans la glacière bien tranquillement. J'étais parti en promenade. C'était une belle journée, je m'en souviens encore. Il faisait chaud, il faisait beau. Et puis... Gisèle voulait me faire plaisir en rentrant. Elle m'avait préparé un petit encas, tu vois. Mais moi, quand je suis rentré, je savais pas que c'était Roger dans l'assiette. J'en avais aucune idée, tu vois. Elle voulait me faire plaisir, la Gisèle. Quand j'y repense, ça me fait mal, tu sais. Je voulais pas le manger. Elle m'avait préparé ça avec une petite persillade, mon vieux, une assiette de moule. Qu'est-ce qu'il était bon, ce cochon, mon vieux, je m'étais régalé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah, Roger, il est encore encadré là-bas. Sa petite photo, elle est encore là-bas, Marjorie. Enfin bon, tout ça c'est du passé. Allez viens, je vais te faire visiter Marjorie. Ah, cette coupe là, enduro, 1957, lac de Pouzio toujours. Martine, une belle carpe, 37 livres. Ah, je m'en souviens encore la Martine. Tiens, je vais la poser là, oh bah merde mon vieux. Tu vois, ah, elle a toujours été sauvage cette Martine mon vieux. Regarde ça, tu vas être parfaitement bien là-dedans. Je vais te mettre dans la glacière. Alors ici, je vous explique les gens, c'est un truc de fou. On peut carrément acheter des cannes à pêche et tout, des leurres et tout. Mais là, je peux rien acheter parce que j'ai pas de thunes tout simplement. Je viens de commencer le jeu. Regardez comment que je suis bien là. Regardez, hein? Alors, hein? Un petit pouce bleu? Hein? Digi 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 digi. Regardez ça, des fois je m'entraîne à mouliner comme ça ma canne à pêche et tout. Hop là, comme ça mort, hein? Regardez ça ce qu'on peut faire, je peux faire des dabs et tout, regardez ça. Hein? Alors? Alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Merde mon vieux, j'en ai perdu mon chapeau de pêcheur. Putain, il est où? J'ai paumé mon chapeau de pêcheur. Voilà, comme ça. Alla vuvuna vuvuna la Macarena. Alla vuvuna vuvuna la Macarena. Eh, Macarena. Ha! Ça a complètement bugué mon vieux. Regardez ça. Regardez ça comment que c'est creepy mon vieux. Mais c'est un truc de malade. Un petit pouce bleu des familles. Regardez ça comment que c'est creepy quoi. Regardez. Mais c'est tellement creepy quoi franchement. Ce délire. On peut faire du limbo et tout avec. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, comment que le bonhomme il est modulable, mon vieux. Comment que ça fout les boules, mon vieux. Eh, hey, il pourrait s'inspirer des prochains monstres dans Resident Evil avec ça, je vous jure. Attendez, bougez pas, je vais prendre Marjorie avec moi. Attends, plouf, plouf, piqué, piqué, collégramme, ce sera toi, Marjorie. Impeccable. Nickel. Voilà. Hein, ma vieille. Aujourd'hui, on est de sortie. On va aller pêcher tranquillement. Regarde ça, Marjorie. Je t'ai déjà raconté l'histoire de Roger le Silure. Je sais que je te l'ai raconté tout à l'heure, mais c'est une belle histoire. Hein? Allez, va. Tu la connais cette histoire, hein? Je te l'ai racontée. Ouais. Enfin bon, une histoire très émouvante. Ouais. On va éviter d'y repenser. C'est encore douloureux. On va aller pêcher un peu, Marjorie. Ça fait quoi si je la relâche? Ah bah, elle repart à la nage, mon vieux. Elle repart à la nage. Attendez, je vais vous montrer à quel point c'est con un poisson. On va la repêcher. Regardez, on va la repêcher. Marjorie! Marjorie! Attendez, attendez, putain, elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas. Merde, putain, c'est pas vrai. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée. C'est pas grave, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Ça mord. Ça mord. Vas-y, ça mord. On va l'avoir. Oh, putain, mon vieil, bataille. Oh, ce délire. Putain, laisse tomber. Ça mord toutes les deux secondes dans le jeu. C'est un truc de malade. You win. Bah, tu m'étonnes que j'ai gagné, mon vieux. Allez, va. File dans le canapé. Je te rejoins, on va regarder la télé. Merde, mon vieux. Putain, attends. Je l'ai lancé où? Ouais, elle doit être planquée sous le canapé, comme elle avait fait là. Eh ouais, mon vieux. La pêche, c'est comme ça. Tu peux pas toujours gagner à tous les coups. Il y a des jours, tu rentres bredouille. Ah, mon bon vieux Roger. Si seulement t'étais là. Hein?
Tu sais que je te regrette, mon vieux, hein. Putain. Bon, les gens, on va s'arrêter là. Et bah, pour cette fois, on rentre bredouille, hein, mon vieux. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être une prochaine partie de pêche. J'en sais rien. Allez, à la prochaine. Salut.